So I have the pleasure of introducing the next roundtable around the world is mine with Dominique Ferral from Yplay, Rachel Delacour from Beam Analytics, Olivier Grémillon from Airbnb, and Frederick Mazzola from BlaBlaCar, which we just talked about. Bonjour, merci à vous tous et merci à l'équipe de France Digital Day pour avoir organisé cet événement. Donc le panel d'aujourd'hui, c'est sur l'internationalisation des startups et il y a quelques très bons exemples à partager avec vous. On va faire ce panel en français, ça sera plus facile pour les traducteurs de nous comprendre, enfin en tout cas de me comprendre quand je parle en anglais. Donc pour ce panel, j'ai le plaisir d'accueillir Rachel Delacour, donc cofondatrice de Beam ou Beam Analytics.
Donc une société qui fait de la business intelligence, croisement, visualisation de data. Une société que vous avez créée en 2009. Vous avez levé 3 millions d'euros. Vous êtes aujourd'hui presque 40 personnes, plus de 100 clients et à peu près 75% de chiffre d'affaires à l'international. C'est bon. Nous avons Olivier Grémillon, directeur France ou Europe d'Airbnb, un site que vous connaissez tous certainement, de location de courte durée entre particuliers. Donc une société créée en 2008 à San Francisco, le QG français 2013, 350 millions d'euros levés, ou 450 millions de dollars je crois. Plus de 200 pays couverts, plus de 500 000 annonces, drastiquement international. Nous avons Frédéric Mazella, fondateur de BlaBlaCar, que vous connaissez aussi très certainement, un site de mise en relation de particuliers pour du covoiturage. C'est peut-être pas la bonne traduction, mais je te laisserai. Créé en 2004, vous avez levé 7,5 millions. Vous êtes aujourd'hui présent dans plus de 12 pays. Donc une croissance internationale assez phénoménale. Et votre serviteur aujourd'hui, Dominique Ferral, je suis cofondateur de Yplay. On fournit des logiciels aux opérateurs de télévision. On n'est plus une start-up. On a créé la société en 2006. On a levé 24 millions d'euros. Nous sommes 180. Aujourd'hui, il y a 10 millions d'utilisateurs qui utilisent notre soft dans les décodeurs de télé sans trop le savoir. Et on a eu un développement international très rapide après la création de la société. Donc nous allons démarrer le panel. Aujourd'hui, tous les baromètres le confirment, c'est l'expansion internationale qui fait que ces sociétés ont pu exploser en termes de développement. On a souvent tendance à dire que les Français vont mettre entre 2 et 3 ans avant de partir à l'international, lorsque nos amis américains mettront 4 à 5 ans. C'est certainement dû au nombre de personnes, à la population dans ces pays, mais voyons, je dirais, de manière concrète comment cela s'est fait. Donc, Rachel Delacour, BIM Analytics, combien de temps vous a-t-il fallu pour partir à l'international après la création de votre société? Et quelles ont été les étapes nécessaires et préalables à ce déploiement? Donc nous, on est en B2B, comme vous avez pu le comprendre. On a développé le logiciel et depuis Montpellier, on est à Montpellier, et on l'a tout de suite pensé cloud, donc on l'a tout de suite pensé scalable. Et puis on a aussi tout de suite voulu ouvrir les vannes, voulu montrer ce qu'on était en train de coder. Et le fait d'avoir un soft qui était tout de suite disponible à l'international, déjà on a pu recevoir énormément de feedback, des patterns d'utilisation aussi qui nous ont permis de continuer à coder l'outil de telle ou telle manière. Et puis on a vu des marchés qui ont commencé à émerger avec des web trials qui arrivaient par centaines, par milliers, depuis certaines zones. Et en fait, je ne peux pas dire qu'on a choisi de partir à l'international. C'est vrai qu'on s'est pris énormément de portes en France. On nous a très souvent dit que nous étions des punks à vouloir faire de la business intelligence en pure mode cloud, que les données ne seraient jamais consommées en ligne, bref. À côté de ça, pour le même nombre de feedbacks, on avait des feedbacks très positifs des États-Unis. Et en fait, je ne dis pas qu'on a subi l'international, mais finalement, l'outil a été consommé tout de suite à l'international. Donc, on a localisé les équipes, on a tout de suite localisé le produit. Et puis, le fait d'avoir un soft tout de suite disponible au même moment T pour tous fait que vous pouvez avoir cette histoire en international, même depuis Montpellier. Merci. Frédéric. C'est les Montpelliérains qui... Non, c'est important de noter que toutes les startups ne sont pas parisiennes. Comme vous avez pu le remarquer à mon accent... C'est la France. On peut faire de très très belles choses où que vous soyez. Frédéric BlaBlaCar, donc vous avez aujourd'hui plus de 6 ou 7 millions de membres. 8. 8, pardon. Tous les jours, il y a un million de plus. Non, mais c'était hier, on a passé 8 millions il y a quelques jours. Donc d'accord. Pourquoi avez-vous décidé de partir à l'international et quel a été le process? Croissance organique, acquisition?
Alors, on a un peu tout essayé. La raison pour partir à l'international, c'est pouvoir atteindre les économies d'échelle qu'un modèle comme le nôtre permet. Si on ne le fait pas, eh bien, on ne peut plus innover, on ne peut plus donner le meilleur produit au plus grand nombre de personnes. Donc, c'est une nécessité pour une activité comme la nôtre de véritablement s'étendre. Alors, ce qu'il faut, c'est pas rester piégé justement dans un marché intermédiaire comme la France, qui est assez grand pour se développer, mais trop petit pour vraiment continuer. Donc c'était une nécessité qu'on a ressentie assez rapidement. Et ensuite, sur l'opérationnel, comment on a fait un petit peu tous les modèles. Ce qu'on préfère aujourd'hui, c'est de trouver des équipes qui ont commencé à développer du covoiturage comme nous dans certains pays. Et puis, alors on étudie, on regarde un peu les économiques du pays pour savoir si c'est intéressant pour nous de lancer l'activité dans ce pays-là. Et puis ensuite, on cherche s'il y a des équipes sur le terrain qui ont commencé à essayer de le faire. On sait que c'est très très dur parce qu'au démarrage, il y a une problématique de masse critique entre l'offre et la demande qui ne se rencontre pas, puisqu'il faut vraiment beaucoup beaucoup de volume pour que ça commence à tourner. Et donc, il se passe généralement 2, 3, 4 ans au moins avant que ces sociétés-là puissent atteindre une liquidité suffisante. Et donc, pendant cette période-là, nous, on peut venir leur proposer de s'allier à nous et de pouvoir croître plus vite en faisant de cette équipe-là l'équipe représentative du service dans le pays. Donc ça, on l'a fait en Italie, on l'a fait en Pologne, on l'a fait en Russie. C'est extrêmement puissant. Donc, ça ressemble à de l'acquihire, en fait, tout simplement. Ensuite, il y aurait une autre possibilité qu'on a faite déjà aussi, qui est de prendre des gens de chez nous qui sont culturellement attachés au pays dans lequel on veut se lancer. Quand je dis culturellement, il faut qu'ils soient bilingues, mais aussi connaissant bien tous les mécanismes dans le pays. À ce moment-là, on peut espérer faire une spin-off avec des gens qui vont dans le pays, qui viennent de chez nous et qui peuvent lancer le service. C'est ce qu'on a fait notamment pour l'Allemagne. Voilà, et c'est principalement les deux méthodes qu'on privilégie. Après, mais ça on n'a pas encore réussi à le faire, c'est très très compliqué, c'est de trouver véritablement à recruter une équipe de zéro pour le pays en question. Donc ça c'est compliqué parce que bon, il faut déjà faire les entretiens évidemment sur place, il faut passer pas mal de temps sur place pour trouver les bonnes personnes, il faut connaître le réseau local. En fait, quand on trouve une équipe qui fait déjà notre activité, donc pour nous le covoiturage, généralement ce dont on s'assure c'est que c'est des personnes qui sont déjà extrêmement motivées par l'idée, donc on n'a pas besoin de leur vendre le concept, ils sont déjà complètement dedans. C'est des gens qui sont très bien connectés en local et qui sauront trouver les bonnes ressources. Et donc ça, c'est vraiment les paramètres qui font qu'on va pouvoir, s'appuyer sur une telle équipe. Ok, merci beaucoup. Olivier, Airbnb, vous êtes un petit peu une exception sur ce panel, puisque vous n'êtes pas dans une logique de start-up française qui va à l'international. Vous avez été recruté par Airbnb pour piloter l'Europe. Est-ce que c'est systématique en termes de méthodologie chez Airbnb? C'est-à-dire, je vais chercher des locaux, je ne dépêche pas des personnes du siège dans les différents pays. Et est-ce que vous partagez les process, l'expérience, les difficultés rencontrées, puisque chaque pays doit avoir ses spécificités, avec vos homologues? Oui, alors tout à fait. La stratégie d'Airbnb de développement international en 2012, donc 4 ans après la création d'Airbnb, dont les statistiques sont les bonnes, a été de recruter des patrons de pays dans nos principaux marchés. Et on a ouvert pratiquement au même moment 7 ou 8 bureaux en Europe en recrutant un patron de pays. Alors il y a eu énormément de temps qui est passé à recruter le patron dans chacun des pays parce que c'est l'élément clé. Quand on est de San Francisco, en plus, quand on veut attaquer le marché européen, c'est vrai qu'avoir quelqu'un en qui on a confiance en local, c'est quand même très important. C'est comme ça que ça a été fait. Les fondateurs et énormément de gens dans l'entreprise ont passé énormément de temps en 2012 sur l'expansion internationale. C'était vraiment le point clé de la stratégie de 2012. Et donc oui, ils ont mis le temps qu'il fallait. Ils sont venus énormément en Europe. On est allé énormément aussi aux États-Unis pour être sûr que que ça marche et que ça prenne. Alors après, c'est vrai qu'on apprend énormément des uns des autres. Par exemple, demain, je réunis tous les patrons de pays de l'Europe à Copenhague. On fait ça tous les mois. On se revoit en face à face tous les mois dans un des bureaux pour justement échanger sur ce qu'on a fait dans le mois précédent, essayer de se coordonner.
Et donc, c'est vrai que c'est clé de pouvoir échanger un maximum de pratiques, parce que le marché européen en particulier est très différent du marché américain. Et donc, c'est clé de pouvoir communiquer un maximum. Merci. Chez Wayplay, quand nous sommes arrivés sur le marché, c'est un marché mature, avec des concurrents en place depuis une dizaine d'années, et même une consolidation du marché les 3-4 dernières années. Et dans notre choix de déploiement à l'international, on a dû prendre en compte la problématique de la compétition dans ces différents pays. Et d'ailleurs, ce qui nous a poussé à travailler en priorité sur l'Inde ou plus récemment sur la PAC. Est-ce que dans le cadre de BIM, vous avez eu à mettre en œuvre, on va dire, des choix stratégiques liés au positionnement de vos compétiteurs ? La business intelligence, ce n'est pas un marché tout neuf, ça a plus de 20 ans, voire plus. Et c'est extrêmement concurrentiel. Maintenant, il y a énormément de demandes aussi, il y a de la place pour ce qu'on fait. Ce qui est sûr, c'est que nos principaux concurrents cloud, business intelligence, se comptent encore, on va dire, sur les doigts d'une main et sont basés en Californie. On a à peu près tous démarré au même moment. Ce qui est clair, c'est que voilà, c'est à l'américaine, c'est énormément de fonds qui sont levés. Maintenant, nous, la stratégie, ça a été de dire... le constat, c'est que le marché, il reste planétaire. Donc, il n'est pas que en Californie. La caisse de résonance, elle est là-bas. Et ce qu'on a fait, c'est qu'avec nos moyens que nous avions à l'époque, c'était de dire... On va essayer de faire parler de nous, et dans chaque article, là où ces gros concurrents américains apparaissent, il faut qu'on ait au moins notre nom qui soit attaché. Donc on a pris des relations presse, on a investi le moindre dollar de levée de fonds dans des relations presse donc à San Francisco pour faire parler de nous. Et c'est parce qu'on a commencé à avoir de la presse américaine qu'on a commencé à avoir de la presse internationale, puis de la presse française. Donc voilà, on a fonctionné comme ça pour pouvoir faire parler de nous, et ce qui nous permet aujourd'hui de continuer d'avoir énormément de web trials qui viennent de la planète entière, toujours en ayant ce focus de faire parler de nous en Californie, et après opérationnellement être allé monter l'équipe américaine parce qu'il fallait à un moment donné qu'on soit présent aux États-Unis vu la clientèle américaine pour le support, etc. On n'est pas allé dans la Silicon Valley pour plein de raisons, mais je pourrais développer un peu plus tard. Voilà. En tout cas, c'est possible. Il faut être très savvy aussi, et puis essayer de faire de manière la plus créative possible pour aller attaquer ces gros concurrents américains. Voilà. En tout cas, on est plus petit, bien évidemment, mais on commence à déranger aussi un peu, donc c'est bien. Merci. Est-ce que vous, chez BlaBlaCar, même si on parle d'un B2C ou C2C, il y a une problématique d'adaptation du produit au marché, ou c'est le même produit, quelles que soient vos zones ? C'est quasiment le même produit. Ce qu'il y a, c'est qu'on peut avoir certaines fonctionnalités activées ou non en fonction de la maturité du service. Par exemple, un truc tout bête, mais quand on démarre un marché, on ne place pas... Donc, sur le moteur de recherche, on a vide de départ, vide d'arrivée et date. Et initialement, quand on lance et que la place de marché est quasiment vide, on ne met pas la date. Parce que, déjà, si les gens trouvent au tout démarrage un trajet à peu près à la même journée, c'est déjà pas mal. Donc voilà, il y a des petites adaptations produits comme ça. Après, évidemment, il y a d'autres adaptations produits entre les miles, les kilomètres, les pounds et les euros. Bon, enfin, voilà. Mais autrement, culturellement, il n'y a pas énormément de différence. Et dans le choix de déploiement, est-ce que vous avez pris en compte une compétition existante ou pas ? Alors ça nous est arrivé en Allemagne, puisqu'on avait un concurrent qui était un acteur historique en Allemagne quand on s'est lancé en Allemagne. En fait, on a choisi effectivement, la stratégie de lancement en Allemagne a été complètement différente des stratégies de lancement dans les autres pays. Donc forcément, quand on a un concurrent, on a un peu moins de temps pour gagner de l'attraction. Donc il faut frapper fort dès le début, quoi. Il faut aller très très vite dès le début pour espérer avoir une période de temps pendant laquelle le concurrent ne peut pas trop réagir, parce que nous, on est extrêmement préparés à ce lancement-là. Donc, c'est ce qui s'est passé en Allemagne. Et là, du coup, ça fait un an qu'on a lancé en Allemagne, en avril, et on est déjà... maintenant, on a un petit peu plus de trafic que l'acteur historique. Donc, en un an, on a réussi à passer devant. Évidemment, dans tous les autres pays, on était plus tranquille parce qu'on n'avait pas de gros concurrents. Mais effectivement, la manière avec laquelle on va se déployer... Alors, aller très très vite, ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire beaucoup de médias dès le début, faire beaucoup de marketing. Il faut être pressé par le temps dans les premiers mois pour véritablement avoir un impact. Okay.
Merci. Olivier, j'étais à New York l'été dernier avec ma famille et j'ai loué avec Airbnb et ça a plutôt bien marché. Et vous avez dit dans la presse il y a quelques semaines que un individu donc qui louait son appartement s'est fait attaquer comme quoi il avait une activité illégale par rapport aux hôtels. Comment vous gérez cette problématique de législation qui doit être certainement différente d'un pays à l'autre? Est-ce que ça fait partie de vos choix de déploiement justement dans les pays, d'analyser finement ce qui est possible et ce qui n'est pas possible quant à votre activité? Alors, la réponse est non, ce n'est pas quelque chose qui rentre dans nos choix de développement. Quand on se déploie dans un nouveau pays, on prend quel est le potentiel du marché, mais on ne regarde pas nécessairement quelle est la réglementation à ce niveau-là. Pour une raison assez simple, c'est que dans la très grande majorité des pays, il n'y a pas de réglementation qui existe sur cette pratique. Donc il y a toujours un petit bout de loi par-ci par-là qui existe, mais dans la très grande majorité des cas, le système n'a pas encore été encadré. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on arrive dans un pays? La première chose qu'on fait, c'est aller se présenter et on essaye de discuter avec pas mal de gouvernements locaux ou nationaux pour prendre en compte leur point de vue et puis donner notre point de vue aussi, essayer de voir s'il y a un mode de développement pérenne. Ce déploiement à l'international, pour vous trois, c'est une question générale, c'est est-ce que c'est quelque chose qui est extrêmement coûteux, qui a été lié à une levée de fonds, que vous n'auriez pu faire sans justement cet apport financier? Pour nous, oui, c'est clair. Très clairement, en fait, c'est même un choix qui est très lié, c'est-à-dire que ce que les investisseurs recherchent sur les projets, c'est des projets qu'ils peuvent faire grandir rapidement et dans lesquels le capital est investi de manière efficace à justement accroître la largeur, enfin l'assiette globale de présence de l'entreprise. Donc oui, très clairement, en fait, quand on se développe, il y a les étapes de proof of concept où on va vraiment savoir si on a un produit qui marche. Ensuite, on a un modèle de monétisation qui va permettre de scaler. Et ensuite, soit on a deux options, soit on essaye d'atteindre la rentabilité avec le modèle de le business model qu'on a développé et qui semble marcher et pouvoir accompagner la croissance, soit on se lance à l'international. Et donc, c'est sur ces quatre étapes entre proof of concept, business model, rentabilité, expansion internationale. Eh bien, pour une start-up comme nous, on choisit volontairement de mettre l'expansion internationale avant la rentabilité. Donc, ça veut dire aller chercher des fonds pour justement financer cette croissance. Donc, pour nous, les deux sont extrêmement liés. Et d'ailleurs, à tel point que si on regarde un peu l'histoire dans l'histoire de BlaBlaCar au début, on avait fait une première levée de 600 000 euros dont le but était simplement d'essayer d'avoir le service qui était leader en France, parce qu'il y avait plusieurs sites de covoiturage. Ensuite, on a fait une seconde levée d'un million d'euros dont le but était de montrer qu'on avait un business model et qu'on pourrait croître avec avec l'attraction qu'on constatait. Et la troisième levée qu'on a faite chez Axel Partner en 2012, d'un montant de 7,5 millions, là, était clairement pour une expansion internationale, puisqu'on avait prouvé les étapes d'avant. Mais c'est bien d'avoir aussi un but par levée, ça clarifie beaucoup les choses, à la fois pour l'équipe, mais aussi pour les investisseurs. De toute façon, quand on démarre comme ça, c'est vrai qu'il y a le pick a fight, quoi. Et nous, on a tout de suite regardé vers ce qui se faisait aux États-Unis, parce que toute la caisse de résonance, comme je le disais, elle était là-bas. Et on a fait à peu près pareil, c'est-à-dire qu'on a réussi avec très peu de moyens, via Internet, à montrer qu'on réussissait à générer du revenu depuis l'étranger. Et puis, c'est après, en ayant montré tout ça, qu'on a dit, on veut absolument rester dans la course, parce qu'avec très peu de moyens, avec un produit extrêmement innovant, disruptif, on a réussi à aller récupérer tous ces clients-là, toute cette masse-là. Maintenant, certes, les autres ont levé avec beaucoup plus de zéro, n'empêche qu'avec avec le produit qu'on a, soyons financés, aidez-nous, et puis on va casser la baraque internationale. Donc, on est dans cette veine-là, on est un tout petit peu avant BlaBlaCar, on espère marcher dans vos pas, et en tout cas, il faut se câbler comme ça, parce que de toute façon, c'est possible. Le monde, tout ce marché international, il est à quelques clics. Donc, c'est fantastique, quoi, ce qui se passe en ce moment. Je pense que c'est important d'arriver à trouver le bon timing. Alors, ce n'est pas toujours les entreprises qui le dictent, c'est souvent aussi un peu les investisseurs, mais arriver à se développer suffisamment à l'étranger avant une levée de fonds pour pouvoir montrer qu'on peut le faire,
Et plus on peut avoir de choses à montrer aux investisseurs, plus on lève et on lève à une bonne valorisation. Mais en même temps, faire ces proof of concept à l'étranger, ça coûte un petit peu d'argent. Donc c'est toujours un peu la tension. Nous, on avait la chance d'avoir un site, de la même manière que, comme Rachel le disait au début, qui fonctionnait déjà à l'étranger avant qu'on ouvre aucun bureau, puisque à Paris, on avait déjà, par exemple, 4000 annonces qui fonctionnaient très bien sur le site. Et donc, du coup, la levée de fonds a été assez facile à faire en juillet 2011, puisqu'il y avait déjà, ça fonctionnait déjà à l'étranger. Donc, c'était pour accompagner ce développement international qui avait déjà commencé depuis les États-Unis. Donc, c'est vrai que la discussion avec les investisseurs était plus simple. OK, merci. Une question du public pour vous, Frédéric, c'est comment avez-vous fait pour séduire vos premiers users au démarrage de BlaBlaCar? C'est une très bonne question et je pense que c'est un mix. Bon, déjà, de toute façon, au début, forcément, il y avait très peu de trafic sur le site, donc on était plutôt avec des gens qui, comme nous, croyaient que c'était possible. On était avec des gens extrêmement ouverts et sympathiques qui avaient tout simplement aussi envie de partager leur route et pas faire la route seule. Donc, par principe, ils préféraient publier, même s'il n'y avait pas forcément de passagers qui venaient et qu'il n'y avait pas forcément de matching. Ils aimaient bien se dire que voilà, bah, s'il y a quelqu'un qui vient avec eux, ce sera un trajet plus agréable que de le faire tout seul. Et ensuite, quand il y a eu quand même 7, 8, peut-être même 10 sites de covoiturage différents, notre but, ça a été de faire le meilleur produit, de faire le meilleur service, parce que quand le marché commence à se créer, et surtout sur un service C2C, le bouche à oreille dans le milieu des gens qui pratiquent cette activité, qui pour nous s'appelait le covoiturage, il est extrêmement fort. Donc les gens vont se passer le mot. S'il y a un site qui est mieux fait que les autres, ça va se savoir très 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 vite. Et donc il vaut mieux être en permanence à l'écoute de tous les retours. Alors c'est Bill Gates qui dit qu'il adore les clients mécontents parce que c'est grâce à eux qu'il fait les meilleurs produits. Et donc je pense qu'il faut être dans cet état d'esprit-là, d'écouter les gens qui ont des plaintes à faire sur le produit ou sur le service pour les améliorer très très vite. Parce qu'il ne faut pas croire qu'un problème constaté par un membre va se résoudre tout seul, ça n'arrive jamais ça. Donc il faut vraiment tout le temps l'adresser. Et ensuite, nous-mêmes, moi je faisais beaucoup de covoiturage, j'en fais toujours. Et ça me permet aussi de garder vraiment un contact très très fort avec le produit. C'est extrêmement important. On a des petites valeurs en interne. On a un motto qui dit think it, build it, use it, qui nous permet de vraiment faire le cycle complet d'innovation avec l'idée que quand en fait on a trois cerveaux, on a un cerveau qui réfléchit, un cerveau qui construit et un cerveau qui consomme. C'est-à-dire quand on parle des consommateurs en disant que c'est des gens particuliers, en fait non, c'est nous tous les consommateurs. Seulement il y a des moments dans lesquels on est consommateur et des moments dans lesquels on fait autre chose, on pense ou on construit. Et donc en fait avec Think It, Build It, Use It, on s'assure d'utiliser nous-mêmes notre produit. Il faut être suffisamment honnête intellectuellement vis-à-vis de l'utilisation de ce produit-là pour se dire bon alors ça va pas, ça c'est bien. Et ensuite quand on est dans la phase où on réfléchit et on construit, eh bien on peut reporter tout ce qu'on a constaté comme dysfonctionnement sur le produit vers un meilleur produit. Voilà. Puis un bon produit, c'est le meilleur marketing. Et ensuite, ça génère deux choses, un bon produit. Ça génère de l'acquisition et de la fidélisation. C'est-à-dire que c'est un peu tout ce qu'on recherche en marketing. Donc, pourquoi de l'acquisition? Parce que quelqu'un qui a utilisé un produit qui est très bien fait va être très très fier d'avoir découvert ce produit-là et ce bon plan, et donc il va en parler à ses amis. Et pourquoi de la fidélisation? Parce que tout simplement, quand on a utilisé un produit, un service, et qu'on en est satisfait, eh bien, on a tendance à y revenir parce que l'humain est fait comme cela. Merci. On arrive à l'issue de ce panel. Est-ce que vous pourriez, en deux phrases, dire quelle est votre recette secrète pour un déploiement international réussi? Je peux donner deux, trois choses. La première, c'est bien recruter les gens que vous aurez sur place, parce que c'est vraiment le poste clé. Frédéric travaille beaucoup, mais il ne peut pas être dans tous les pays en permanence. Donc c'est vrai qu'avoir quelqu'un en qui vous avez confiance sur place, c'est clé. Et souvent, ce n'est pas forcément quelqu'un de l'entreprise, puisque nous, on essaye par exemple d'optimiser quand même beaucoup pour avoir quelqu'un qui est vraiment local et qui a toujours vécu sur place. Donc ça, c'est très important. Deuxième point, essayer de s'affranchir de pas mal de tâches non stratégiques.
Nous, on a fait le point de vue, enfin, on a pris le point de vue de tout ce qui était paye, la création des entités et tout ça, de l'outsourcer très très, très tôt, justement pour que le peu de ressources qu'on avait dans les pays se focalisent sur le développement du produit. Et troisièmement, garder une culture très forte dans l'entreprise pour faire un petit peu la glue entre tous ces pays. Frédéric pourra vous en dire quelques mots, mais il fait ça très bien si vous visitez les bureaux de Blablacar. C'est clé de que les gens se sentent comme étant une seule entreprise et qu'il y ait une communication qui fonctionne très bien entre le siège, qu'il soit français ou américain, et les différentes filiales. Merci. Je pourrais renvoyer les mêmes fleurs à Airbnb, qui fait ça de manière très très forte entre tous ses bureaux et arrive à justement déporter aussi une partie de la culture commune entre tous les bureaux. Je pense qu'effectivement, c'est une clé d'avoir une cohésion d'équipe. J'ai juste envie de dire peut-être un mot aussi autour de la marque. Ça paraît bête, mais bon, nous, au départ, on s'appelait covoiturage.fr. Alors avec covoiturage.fr, en fait, on ne va pas plus loin qu'en France. Donc c'est-à-dire que les Anglais disent covoiturage et puis de toute façon ils comprennent pas ce que ça veut dire, et les Espagnols vont dire covoiturage et puis voilà, ça veut rien dire non plus. Donc on est assez vite coincé. C'est la raison pour laquelle on a souhaité vraiment unifier notre marque et on s'est appelé Blablacar. Alors pour la petite histoire, Blablacar, ça vient du fait que quand on s'inscrit sur le site, on choisit si on est plutôt bla blabla ou blablabla pour indiquer si on parle beaucoup ou non en voiture. Et en fait, il se trouve que Blabla, c'est international, donc ça marche dans tous les pays. Et donc, en fait, les Espagnols pensent que Blablacar, c'est espagnol, les Italiens pensent que c'est italien, les Français pensent que c'est français. Et donc, c'est une marque qui est à la fois globale et multilocale. Et c'est extrêmement important d'avoir une marque unifiée pour créer une même culture et pour créer un même langage. J'insisterai vraiment aussi sur le fait de bien verrouiller les managers que vous prenez sur place pour vous développer le pays. Nous, on a choisi de partir uniquement avec une équipe américaine, des locaux américains, et passer du temps avec ces personnes-là pour être sûr que ce soit les bons, parce que c'est très facile de se planter. Et ensuite, après, il faut les laisser faire. C'est leur culture, la manière de manager, etc. Il faut faire confiance. Donc voilà, nous jusqu'ici on en est plutôt, plutôt contents. Et puis garder en tête que impossible n'est pas français, on ne se le dit pas suffisamment. Donc voilà, go la France et go les régions aussi. Merci beaucoup pour vos contributions et vos enseignements.